Alors, juste ici, je vous présente le Dolcetto d'Alba 2022 de chez GD Vaera. Alors, Dolcetto d'Alba, on est dans le Piémont, magnifique région qui fait des très grands vins rouges. Ici, le Dolcetto, c'est un vin habituellement qui propose beaucoup de fraîcheur, des tanins qui sont assez enrobés, faciles à boire. Alors, on va bien se régaler. Alors, on a une belle robe rouge rubis intense, c'est l'œil d'un vin jeune. Au nez, c'est un nez qui est très envoûtant. C'est tout jeune, mais déjà très complexe, avec beaucoup de fruits des champs, très mûrs, avec la fraise, la mûre, également des belles notes florales avec la rose, la violette. Il y a des notes légèrement herbacées, puis même c'est tout jeune, il y a l'impression un peu de sous-bois et de champignons. C'est un très beau nez en bouche. En bouche, explosion de saveur avec encore les petits fruits rouges, la fraise, la mûre, le bleuet, des notes herbacées toujours présentes. Il y a une très belle fraîcheur avec des tanins qui sont petits, fins, mais qui ont du mordant. L'accord va se faire sur plusieurs aspects. Premièrement, la purée de céleri rave va faire ressortir le fruit du vin. La sauce au thym va faire un bel écho avec les notes légèrement herbacées. Et puis également, le champignon portobello va faire écho aux notes de champignons dans le vin. Ça va être un très bel accord. Bonne dégustation. Alors, dans le métier de sommelier, il y a la dégustation. Pour moi, la dégustation, c'est une forme d'art. C'est quelque chose qui est à portée de main de tous et toutes. Comme un musicien ou un photographe ou un peintre, il faut être sensible à ce qui est devant nous. Et puis, prendre le temps d'apprécier un verre de vin, c'est comme apprécier une belle peinture.